Eh bien bonsoir à tous et à tous, l'ami Wolf Foudre ici présent pour un nouvel épisode, épisode 3 sur Euro Truck Simulator 2. Alors comme vous pouvez voir, j'ai acheté un nouveau camion. Hein, parce que bon, sur la banque on m'avait saisi le mien, comme par hasard. Hein, bon, j'ai pas payé le crédit, bon malheureusement la banquière m'a regardé d'un sale œil en arrivant à la banque. Et elle m'a dit, monsieur Foudre, hein, on vous confisque votre camion. On vous revend votre camion. Voilà ce qui m'arrive. Bon. Et ben voilà, j'ai dû m'acheter un nouveau camion. Donc je vous propose, tout sans plus tarder, de commencer avec l'intro de la team Wolf Gaming. Et voilà, nous voici sur un tout nouvel épisode de Euro Truck Simulator 2. Alors je vais aller voir sur le marché du travail, voir ce qu'ils proposent. Offre de traction pour me faire un petit peu de sous, bien évidemment. Parce que j'ai besoin de sous pour rembourser le prêt à la banque. Sinon encore la banquière va me regarder un sale œil. Bon, alors... Dijon, Genève, ça fait combien de kilomètres ça? 1h28 de route. Wow. Non, c'est expire dans 1h28. Wow, c'est tout, c'est juste à côté. En définissant la destination sur le GPS. Voilà, c'est juste à côté. Donc, je devrais pas avoir de mal à faire la route. Enfin bon, si tout se passe comme prévu. Parce que moi, vous savez, pour la concentration, pour ce qui est concentration, hein, ça laisse à désirer. Allez, ça commence. Ça, c'est de la faute à fusion, ça encore. Et oui, c'est de la faute à fusion, ça. Faut toujours qu'il y ait un coupable, et c'est toujours fusion le coupable. Faut bien qu'il y ait un coupable, quand même. Bah oui, c'est ça, fusion. Faut toujours qu'il y ait un coupable. Bon. Allons-y, c'est parti. Je vais aller chercher mon chargement. Traction, voilà, et voilà, ouais, voilà. Donc normalement t'es prêt.
Et voilà. Pareil. Donc, je suis parti. Je m'en vais, ça y est. Allez, un accident. Super. Qu'est-ce qu'il y avait à avancer en même temps que je passe, lui? Ouais, il y a vraiment des chauffards partout. Ça, c'était encore fusion, là. Je parie, il est passé au même moment. Il a voulu que j'écrase sa voiture, résultat des courses, et ben voilà. C'est fait. Mais c'est moi qui paye maintenant. À cause de lui. N'est-ce pas, fusion? J'espère que t'es content de ta connerie. Infusion. J'espère que tu es content de ta bêtise. Hein. Soyons sérieux un petit peu. Un sérieux est un bien grand mot pour moi. Rester sérieux pour moi est un bien grand mot. Ça, je vous rassure. Ce qui est très dur pour moi. Rester sérieux est très dur pour moi. Bon. C'est depuis que je connais l'ami Wolf Fusion. Hein, il m'a complètement jeté teint sur lui. Il déteint sur moi. Il déteint sur moi, le gros. C'est vrai, il déteint sur moi. Résultat des courses, je prends tous ces vis. C'est pas normal que je sois comme ça. Moi, j'étais plutôt du genre très calme, très timide. Maintenant, je suis plutôt le mec qui n'a pas arrêté de sortir les bêtises. Et tout ça à cause de l'ami Wolf Fusion. Il déteint sur moi. Mais bon, on ne dira rien. Enfin, comme si on va essayer de rester sérieux. On va essayer de se concentrer pour ne pas louper la route, comme ça m'arrive souvent. Et se concentrer, pour moi, est un bien grand mot. Moi, me concentrer, c'est bien. C'est très très dur pour moi. Rester sérieux et c'est pareil, c'est très dur pour moi. Mais bon. Bon, t'avances devant. Ou alors je vais me voir dans l'obligation de te pousser. Je vais le pousser. Je vais le pousser devant, il n'avance pas. Je vais le pousser. Je vais me voir dans l'obligation de le pousser. Et là, je sais pourquoi, moi, j'aurai un manche après. Moi, je sais pourquoi, j'aurai un manche. Ce sera de la faute à Fusion, parce qu'il n'avance pas. Voilà, encore une fois. Faut bien qu'il y ait un coupable. Comme habituellement, c'est toujours moi le coupable. Là, pour une fois, les absents ont toujours tort.
Pour une fois, c'est lui le coupable. Les absents ont toujours tort, comme on m'a dit. Là, j'ai manqué d'y rentrer dans le parc extérieur. Bah, s'il n'avance pas. Et après, il va dire que c'est de ma faute. Comme d'habitude. Mais là, pour une fois, non, ce ne sera pas de ma faute. Ce sera de la sienne. Bah, s'il n'avance pas. Attends, les papis qui roulent à 30 à l'heure, là, ça suffit sur la route, là. Je veux bien croire qu'habituellement il faut rouler doucement, mais là c'est quand même exagéré. 30 km/h, c'est quand même exagéré. Surtout sur une route qui est limitée à 80. Tiens, je commence à être fatigué. Je commence à être fatigué, moi, sérieusement. Je commence à bâiller dans mon camion. C'est que je commence à être fatigué. Donc il faut que je trouve un parking. Pour que je trouve un parking pour me reposer et au plus vite. Parce que je suis fatigué, mais vraiment fatigué. Oh là là. Deuxième fois que je manque de rentrer dans le port extérieur de Wolf Papillon. Mais il ne veut pas avancer. Hein. Le papy à 30 à l'heure, ça suffit, il avance devant. Je vais trouver un parking dans peu de temps. Il y a un parking dans peu de temps. Je vais pouvoir y arriver, oui, quand même. Profite pour faire le plein d'essence.
Ouais, on va faire le dos. Forme, on a couru 250 km à pied et on est en pleine forme. On va voir si on va arriver entier. Allez, ça y est, maintenant c'est ma cam qui fait sa pause. C'est ma cam qui fait la pause. Ça y est, ma caméra fait sa pause. Ma webcam fait sa pause. Ça y est. C'est ce que je vous dis, ma webcam fait sa pause. Allez, voilà. Allez, remise. Allez. Allez, ça y est. Ouais, j'avais la webcam qui avait fait sa pause. Bah, la pause elle aussi, bah. Elle a le droit de poser elle aussi quand même, non? Hein? Ma webcam a fait sa pause. Ah. Elle était fatiguée, elle a dit bon ben allez. Elle a dit bon ben moi je me stoppe. Ça y est, ça c'est à cause de puissance encore. Hein? Elle a dit bon ben je me stoppe. Je fais ma pause moi aussi. Je fais ma petite pause moi aussi. Il n'y a pas de raison. Le chauffeur fait sa pause. Il n'y a pas de raison que je ne pose pas moi aussi. Donc elle a posé elle aussi. Bon, chers amis, il ne me reste plus que 28 km à parcourir. Pour l'instant, je suis toujours intact en un seul morceau. Sans avoir pris de Yana, sans rien. Alors bon, à espérer que ça continue comme ça. Je sais pas si je vais arriver en un seul morceau pour l'instant. Bon, mais c'est bien parti pour. Vous voyez pas qu'il y a des morceaux un peu éparpillés partout. Hein. Ça ferait pas bonne image quand même. La tête à droite, la jambe à gauche, le bras à gauche, l'autre bras à droite. Alors, ça ferait quand même mauvais genre. Je sais pas si vous êtes de mon avis. Bon, hey, c'est bon, vous pourrez savoir où tu vas. Tu vas à droite ou à gauche, quoi. Pour ça, je vous dis franchement, après, ça prend un mauvais genre. Je voudrais vraiment pas, quand même, passer pour un chauffard de service. Donc, je voudrais pas qu'il y ait un petit peu des portes, des morceaux un peu éparpillés partout. Ça ferait mauvais genre. Je préfère rester en un seul morceau, c'est mieux. Allez, à droite. Et on est presque arrivé. Va-t-on arriver dans les temps? Peut-être. Bon, bah alors là, si ça commence comme ça, bon, on va pas arriver dans les temps. S'il y a des feux rouges partout, ça va pas le faire.
rentrer. Pareil, je suis en retard, évidemment. Oui, bien sûr. Tout ça à cause de ce rouge. Ça, c'est pas normal, ça. Je vais protester. Bon, et bien sur ce, chers amis, je vais vous laisser. Je vous dis bye bye pour un prochain épisode. Épisode 4 de Euro Truck Simulator 2. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et à tous. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, d'appuyer sur la cloche pour pouvoir me suivre quand je diffuse, et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao, bye bye à tous! Attends, je crois que je vais mettre des trucs parce que j'ai reçu le truc, mais pas encore. Ah, c'est chiant, je crois que. Je disais que c'était. Je vais regarder ça.